possible de se libérer. Super quotidien, génial. Et là, qui est-ce qu'on trouve au pied de la scène? Ah bah voilà, les deux patrons. Alors, comment est-ce qu'on est prêt là? Est-ce qu'on est bon? Bah écoutez, sous le principe, oui, tout est calé. Nous sommes pratiquement avec... nous avons construit le site à 15 jours d'avance, mais ça, c'est une volonté de M. Perrier qui, à mon avis, s'est déjà projeté dans l'idée peut-être de passer le festival à 4 jours. Mais ça, voilà. Bon, bah on verra ça. Pour l'instant, ça va être 3 jours. Et je vois, vous avez le t-shirt, il va faire beau là, il va faire chaud. Nous avons effectivement, la météo est clémente avec nous et c'est plutôt déjà un point positif pour le bon déroulement du festival. Ok, là vous êtes au pied de quelle scène, dites-nous? Là nous sommes côté Seine-Montagne. Et ça, si ça vous avez le temps de vous déplacer un peu avec nous, on peut aller faire un tour sur la... Ouais, bah allez, montrez-moi, je vous suis, allez. Je vous suis. Allez-y. C'est notre côté sportif. Là. Oui, parce qu'il faut y aller, hein, l'air de rien, c'est pas à côté à côté. Il y a au moins quelques mètres. C'est pour la fraîcheur, ça, le pingouin, cette année? Là, on a besoin de se rafraîchir cette année quand même. Il y a deux solutions, soit c'est Marie-Ferlanet, soit c'est le pingouin. On va pas le rendre.